divorce. Merci. Bonjour à tous, bienvenue à cette dernière session de la journée. Et on va parler de télétravail asynchrone. Si ça ne fait pas d'écran noir. Donc d'abord, je vais me présenter. Pourquoi je commence par me présenter? Parce qu'en fait, ce talk, c'est un retour d'expérience personnelle sur ce qui s'est passé depuis 2 ans pour moi. Moi, je m'appelle Benoît Priou, je suis développeur depuis une quinzaine d'années. J'habite Bordeaux. Et dans ma carrière, en fait, j'ai passé 12 ans dans la même boîte, donc à côté de Bordeaux, qui s'appelle Lectra, où j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré plein de collègues qui sont devenus mes amis. Et pendant 12 ans, un monde pré-Covid, on travaillait tous dans le même bureau, on faisait plein de projets intéressants, et c'était top. Puis après, il y a eu Covid, on a fait un peu de télétravail. Et puis, une boîte parisienne, qui s'appelle Alan, m'a demandé un peu de me poser des questions sur ma carrière, et me dire au bout de 12 ans, est-ce que tu n'as pas envie de faire autre chose, d'avoir des nouveaux challenges? J'étais pas forcément prêt, j'ai dit pourquoi pas, on va discuter. Et ils m'ont proposé différents challenges. D'abord, le premier, c'était un nouvel environnement technique. Moi, pendant 12 ans, j'ai fait du Java JVM classique. Et là, eux, ils font que du Python. Et ils m'ont dit, voilà, c'est pas un problème. Même si moi, j'ai jamais écrit une seule ligne du Python, ça se passera bien. Effectivement, après 2 ans, c'était pas du tout un problème, ça s'est très bien passé. Après, moi, j'étais dans une boîte plutôt classique, en environnement plutôt industriel, une boîte R&D avec beaucoup de personnes. Là, Alan, c'est un environnement un peu start-up, scale-up, qui était en phase de croissance énorme, avec des levées de fonds, plein de choses que je ne connaissais pas du tout en termes de stratégie. Et donc, c'était un challenge de découvrir ce monde-là. Et enfin, on proposait un poste en 100% télétravail. Donc, la boîte est à Paris. Moi, j'étais à Bordeaux. Je n'avais aucune raison d'aller à Paris, si je voulais. Je pouvais venir si j'avais envie d'aller au bureau à Paris, mais ce n'était pas du tout obligé. Et on m'a assuré que l'organisation, le mode de fonctionnement, faisait que j'allais avoir aucun problème à m'adapter. Et que même si les gens étaient à Paris, il n'y avait pas de différence entre Paris, Bordeaux, télétravail ou pas. Et donc ce talk, c'est un peu un retour d'expérience après 2 ans, voir comment moi je me suis adapté à ça et comment Alan met en place une organisation qui fait que c'est possible. Donc Alan, juste un tout petit mot rapide, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une assurance santé. Donc votre entreprise a peut-être choisi Alan comme mutuelle. L'idée, c'est de rembourser vos soins et de fournir une expérience un peu nouvelle dans le monde des mutuelles, un peu plus simple, un peu plus transparente, basée sur des outils numériques du moment. Et depuis quelques années, en fait, l'idée, c'est aussi, Alan, d'être un peu plus que juste votre mutuelle, votre assurance santé, votre partenaire santé, en fournissant des services en plus, comme de la prévention, un service de médecins qui sont en ligne, qui peuvent répondre à vos questions, qui peut vous éviter d'aller prendre une consultation chez les généralistes, avoir un peu des programmes sur le mal de dos, sur la santé mentale, bref, tout un ensemble de programmes de santé pour vous accompagner. Donc ça, c'est Alan, plutôt en plus une ambition assez intéressante comme programme. Et après, ce qui est assez différent aussi, c'est la culture d'entreprise que j'ai découverte, qui est assez tranchante. D'abord, il y a une culture de l'écrit. Donc forcément, c'est la base de tout, c'est l'écrit, c'est pas l'oral. Il y a une transparence radicale. Donc dans la boîte, tout est public, on a accès à toute l'information. Il n'y a pas de réunion, pas de manager. Je ne vais pas forcément parler du pad manager dans ce talk, mais on pourra en discuter si vous voulez. Mais en tout cas, je vais parler de pad réunion. On met en place une sorte de responsabilité distribuée, c'est-à-dire que chacun a des responsabilités et autonome et peut prendre des décisions à son niveau sans avoir des gens qui sont absolument là pour prendre la décision. Et derrière, on a un travail flexible, c'est qu'on laisse aux gens l'opportunité de travailler comme ils veulent, d'où ils veulent, comme ils veulent, d'être le plus flexible possible pour que l'équilibre entre la balance pro-perso soit la plus adaptée. Il y a un blog qui décrit tout ça, si vous voulez en savoir plus. Juste rapidement, la mascotte, elle est là. Si vous, pendant la talk, si vous tweetez sur DevOps FR 2023 Alan, s'il y a des choses qui sont intéressantes ou pas sur cette conférence, je choisirai un tweet à la fin pour vous donner la petite mascotte. Donc d'abord, on va commencer par une petite définition. Pardon. Donc c'est plus trop à la mode de faire Wikipédia. Je vais prendre ChatGPT. Alors qu'est-ce que c'est le télétravail asynchrone? Donc c'est une pratique de travail à distance qui permet aux travailleurs de travailler de manière autonome avec des outils de communication asynchrone offrant plus de flexibilité et de productivité, mais qui peut également présenter des défis de communication et de collaboration. Il est plutôt pas mal, c'est un peu les différents sujets que je vais parler dans mon talk. Alors la communication asynchrone, comment ça marche? Quels sont les enjeux? En fait, c'est quand on est dans une communication asynchrone, c'est qu'on ne va pas attendre une réponse directe de la personne avec qui on collabore. Donc la transmission de l'information est un peu différente. On doit collaborer, pas forcément en même temps.
Et tout ça dans une boîte où on veut qu'on ait l'alignement global de tous les gens sur une même stratégie, sur une même manière de fonctionner. Et bien sûr, ça impose qu'on a des gestions de notifications qui vont arriver, parce que l'asynchrone dit qu'on a forcément plein de choses qui arrivent un peu différents moments. Alors chez Alan, comment on fait pour faire que ça marche? Comme je l'ai dit, tout est écrit. Donc vraiment, tout est écrit chez Alan. Tout est public, au sens en interne en tout cas, même si certaines choses sont publiques aussi sur le web. Donc tout est public, toute l'information est accessible pour n'importe qui dès le premier jour qu'il arrive chez Alan. Que ce soit la décision la plus stratégique possible, que ce soit la petite information de budget sur l'organisation d'un événement, tout est public et il y a accès à l'information. Après, à chacun d'aller trouver l'information et d'aller voir ce qui l'intéresse, mais il n'y a pas de barrière, en fait. Alors après, bien sûr, l'onboarding est hyper important. Quand on arrive, on est formé sur ce qui va se passer, sur ce qui arrive. Donc comment s'adapter à cette façon de travailler, comment gérer ces notifications. Donc il y a plein de documentation qui existe pour justement aider les gens à s'habituer à cette communication. Alors l'outil qu'on utilise principalement, il y en a plusieurs, mais c'est le principal, c'est Slack, qui de base peut être considéré comme un outil synchrone, mais on l'utilise de façon asynchrone. Alors déjà, pour le fait qu'on a zéro, pas de channel privé, pas de message privé dans la boîte. Donc ça, c'est vrai, je l'ai vécu. Donc toute l'information est publique, et le but, c'est que pourquoi avoir un message ne serait pas, ou une information serait privée? Quelle serait la raison pour laquelle on ne veut pas que d'autres personnes le sachent? Bah de base, comme ça, le fait qu'on publie, on a plus de chances que l'information se diffuse, et c'est plutôt inverser le processus. C'est la personne qui décide ou pas d'aller lire l'information, mais ce n'est pas bloquer l'information à la source. C'est un peu ça l'idée derrière cette méthodologie. Donc après, j'ai vu des exemples, moi, où par exemple, je pose une question sur Slack et je ping quelqu'un qui pourrait m'aider. Je n'ai pas de réponse tout de suite, c'est normal, c'est asynchrone. Mais comme la question est publique, bah, quelqu'un d'autre peut répondre. Et je ne m'y attendais pas forcément. Et donc, on a une sorte d'effervescence qui peut se créer par une interaction qui n'était pas forcément prévue par le fait que ce soit public. Alors bien sûr, ça suppose que bah, le Slack il est un petit peu normé, très réglementé, avec des règles de nommage sur les différents channels. On préconise absolument aussi l'utilisation des threads et des fils de discussion pour que ça soit plutôt clair dans la communication. Et tout ça, ce n'est pas juste une personne qui est la police, c'est l'ensemble de la boîte qui se met d'accord d'utiliser ces règles, et tout le monde est d'accord pour l'utiliser, que ce soit la partie, toutes les communautés, engineering, marketing, care, tout le monde utilise de la même façon Slack. Alors le Slack, si vous voyez le Slack d'Alan, finalement ça ne ressemble pas trop à un Slack, des fois ça ressemble presque à un wiki, où les messages sont très formatés. Il y a un titre, un contexte, il y a des questions précises, des actions, et on fait attention à pinguer les bonnes personnes. On ne fait pas @channel juste pour ça, parce que c'est, voilà, on choisit les bonnes personnes et on est clair sur ce qu'on attend de la personne. Ce qui fait que quand on n'a pas la réponse tout de suite, quand on l'aura, par contre, on aura la bonne réponse au bon moment et quand il faut. Alors moi, j'ai mis quelques petits exemples. Par exemple, le point du matin dans les équipes, c'est chez Alan. Il n'y a pas de visio, on ne fait pas à 9h45 rendez-vous, on va se discuter, on va se voir. En fait, il y a juste un Slack bot qui publie dans le channel de l'équipe un petit template qui permet de remplacer ce point du matin. Avec comment ça va, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, ainsi de suite. Donc, par exemple, il y a quelques jours, moi j'ai répondu. Le petit 1 sur 5 là, au début, là, c'est un indicateur de pression qui permet de savoir si est-ce que je suis sous pression ou pas, est-ce que je suis un peu stressé. C'est une façon de remplacer ce qu'on pourrait voir au boulot quand j'arrive et que je vois quelqu'un qui n'est pas bien. Bah là, en asynchrone, on doit trouver d'autres moyens. Donc là, le moyen, c'est que la personne puisse dire si elle a besoin d'aide, si elle est dans pas très bon mood. Moi, ça allait plutôt bien. Après, je dis sur quoi je vais travailler. Je peux donner de l'information là que j'allais ouvrir une rétro, que ça serait bien de contribuer. Je peux donner des pull requests sur lesquels j'attends un peu des reviews qui me bloquent, et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, ce que j'ai vécu des points du matin où en synchrone, on attendait 9h45 pour que tout le monde soit là pour commencer le point du matin. Moi, j'ai des enfants, j'arrive à 9h, bah, qu'est-ce que je fais pendant 45 minutes? Bah, je ne sais pas trop, je m'occupe, j'attends parce que je ne vais pas commencer quelque chose. Bah, là, dans un mode asynchrone, je travaille, j'arrive, je commence à 9h, je réponds. D'autres personnes arriveront à 10h, d'autres à 9h45, d'autres à 10h30, ce n'est pas grave. En fait, le but, c'est que chacun puisse être le processus le plus optimisé pour soi-même pour pouvoir travailler. Autre exemple chez Alan, il existe le HPFO, Highlight, Progress, Fire and Objective. L'idée de cette méthode de travail, c'est de publier en fait chaque semaine, sachant que chez Alan, la semaine est du mercredi au mercredi pour éviter que le vendredi soit un rush parce qu'on a envie de finir les trucs, de publier en fait un bilan un peu de sa semaine, les événements qui sont bien passés, ce qui s'est mal passé,
sur quoi je vais me focusser la semaine prochaine. Et dans ce petit message que je publie de façon publique pour toute la boîte, et 500 personnes le font en même temps dans le même channel, je vais pinguer des gens sur lesquels je peux peut-être travailler la semaine prochaine avec eux, ou je vais alerter sur des problèmes que j'ai vus. C'est une manière de communiquer à grande échelle en fait, de l'information pour toute la boîte. Donc c'est assez efficace. Et on a des outils pour s'abonner à certaines HPFO de gens qu'on souhaite suivre ou qu'on souhaite avoir de l'info. On peut s'abonner au HPFO du CTO si on veut, si on veut avoir de l'information, ou à mes collègues de mon équipe pour avoir un petit peu de suivi plus proche. Ensuite, il y a un autre exemple que j'ai beaucoup utilisé, que j'ai appris à utiliser chez Alan, c'est de faire un thread pour soi-même, en fait, se parler à soi-même dans Slack, mais de le faire de façon publique. Dans cet exemple, j'avais une opération à faire en production, et je vais ouvrir un thread, je ping for personne pour l'instant, et je m'écris dedans ce que je vais faire. Je vais runner en production une commande, voici les logs, ça s'est bien passé, ça s'est mal passé, ainsi de suite. À quoi ça sert de faire ça ? D'abord, c'est un peu du log, en fait. C'est pour moi-même, je sais où j'en suis. Si j'ai un imprévu, que je dois m'arrêter en plein milieu, je sais où j'en étais, je peux reprendre. Ça donne de l'information aux autres personnes qui souhaitent suivre ce que je suis en train de faire. Et si j'ai un problème en plein milieu et que quelqu'un doit reprendre mon travail, il peut reprendre, il a le contexte, il a tout ce qu'il faut. Finalement, il n'y a que des bons côtés de faire ce type de communication dans Slack pour soi-même. Autre exemple de channel chez Alan, il y a le team rétro, c'est un peu le billet d'humeur. C'est important de dire un peu ce qui va pas lorsqu'on est dans la boîte. Et moi, par exemple, moi, je expliquais au bout de six mois, j'avais cassé deux fois la prod. Et je remontais juste que j'étais content de la culture qui était chez Alan, de ne pas blâmer les gens, et qu'on voyait ça plutôt comme un apprentissage, et qu'on en tirait des enseignements sur le fait que j'avais cassé des choses, et qu'on avait des choses, qu'on pouvait améliorer les choses par la suite. Et un dernier exemple, le team praise. Donc c'est un channel où on va essayer de dire des choses qui se passent bien et de féliciter d'autres personnes avec qui on travaille. Ça fait toujours du bien de recevoir un petit praise en disant merci beaucoup pour ce que tu as fait, ça m'a vachement aidé, bravo pour tout ce que tu fais en ce moment, et ainsi de suite. Lorsqu'on est dans un mode synchrone dans le bureau, c'est peut-être plus souvent facile à faire. On voit son collègue, on dit super, merci pour ce que tu as fait. Dans un mode asynchrone, on est obligé d'aller sur des modes de fonctionnement où c'est plus public et c'est plus public et c'est asynchrone dans le sac. Donc ça, on a vu tout ce qui se passait au niveau communication. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est quand on communique, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Il y a un processus de décision. Comment l'adapter dans un mode asynchrone ? Alors, si vous avez tous connu ce qu'on fait dans une mode synchrone, c'est la réunion, que ce soit en visio ou en présentiel. Il y a quelqu'un qui organise une réunion avec un agenda, un point, il y a quelqu'un qui prend des notes, les bonnes personnes sont là, et à la fin de la réunion, on a le compte-rendu, on a la bonne décision qui est prise. Ça ne se passe pas toujours comme ça, en fait. Moi, j'ai connu plus de cas où il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas de point du jour, il n'y a pas de compte-rendu, à la fin, on n'a pas pris la bonne décision, et en plus, les bonnes personnes n'étaient pas là, parce qu'elles étaient absentes, et donc on refait une réunion. Vous voyez bien que ça, c'est une efficacité. Quand on l'a vécu, on l'a tous vécu, et ça prend du temps, ça prend peut-être de l'argent aussi. J'ai des exemples que j'ai trouvés là sur un peu fake, mais qui permettraient d'estimer le coût d'une réunion si on prend le salaire de tout le monde et qu'on met dans la même pièce et qu'on voit le temps que ça coûte. Peut-être que des fois, ça ferait réfléchir un petit peu sur l'efficacité de tout ça. Donc c'est pour ça qu'à Alan, on a testé autre chose. Il y a un blog qui explique comment on est arrivé à cette méthode de travail qui est là depuis le premier jour. C'est qu'on utilise des discussions GitHub. On utilise GitHub comme outil pour prendre des décisions. À l'époque, c'était plutôt des issues. Maintenant, on est passé sur le mode discussion. Alors comment ça marche ? Quand j'ai besoin de prendre une décision, je vais passer par l'écrit et je vais expliquer pourquoi je dois prendre une décision, clairement, expliquer le contexte. Je vais décrire tout ce qu'il faut, le matériel qu'il faut pour pouvoir prendre cette décision et je vais avoir une timeline. Par exemple, je vais dire qu'il me faudrait cette décision dans 5 jours ou dans 2 semaines, ainsi de suite. Je vais expliquer clairement ma proposition ou mes propositions si j'ai des alternatives. Je vais pinguer les collègues qui sont importants pour contribuer à cette décision. Et après, je vais attendre les contributions des gens sur ce sujet, qui vont pouvoir apporter des éléments. Pendant ce temps-là, je vais prendre en compte les remarques, ou pas, s'ils ne sont pas très intéressantes. Et après, une spécificité chez Alan, c'est que c'est la personne qui a ouvert la discussion, qui l'a conclue en actant la décision. Donc, normalement, le but, c'est que la personne a tous les éléments pour prendre la décision, et il n'y a pas de gens qui vont dire « non, ce n'est pas la bonne décision ». Les éléments sont là, je dois la prendre, j'avance. Peut-être que ce n'était pas la bonne, mais ça sera plus tard, et en tout cas, on avance. Donc après, on a un outil, donc GitHub Discussion, pour faire ça. Si ça avance, voilà.
Donc GitHub Discussion, on a un template qui est là pour nous aider à ouvrir la discussion. Donc ça, c'est valable pour tout le monde dans la boîte, avec un titre, quelques éléments sur pour quel est le but, quel est le but de la discussion ou pas, la timeline, le contexte matériel et la proposition. Là, c'est un petit exemple d'une discussion que j'ai ouverte il y a quelques temps, où j'ai pingé justement des gens, j'ai expliqué ma solution, ma timeline. Et ce qu'on voit, c'est quand elle est fermée, on remet à jour la discussion avec la conclusion en tête. Comme ça, le but, c'est quand on retrouve d'anciennes discussions, on a tout de suite la conclusion de tout ce qui s'est passé et on n'a pas à relire toutes les contributions qui peuvent parfois être nombreuses. Forcément, ça dépend des sujets. Il y a des fois des sujets qui prennent plus de discussions qu'autres. Donc voilà un petit peu l'idée, comment on peut remplacer dans un mode asynchrone. Et dans ce cas-là, chez Alan, toute décision devient une discussion, que ce soit d'une conception fonctionnelle, technique, de la planning, on fait des rétros dans ce système. Quand quelqu'un part en longue durée, il peut faire ouvrir une discussion pour dire comment je vais gérer mon absence parce que je vais en congé de paternité, comment on va gérer ma transition. Lorsqu'on organise un off-site, une discussion est créée pour voir où on va aller, quel budget on va mettre, et ainsi de suite. Et bien sûr, tout ça est public, n'importe qui peut aller voir n'importe quelle information. Et on a toute une histoire d'Alan depuis 7 ans maintenant qui est dans ces GitHub discussions. Alors, mon retour d'expérience après 2 ans, ce n'est pas si simple à ouvrir une discussion et à poser clairement par écrit pourquoi je veux prendre une décision, quelle est ma proposition. Les premières discussions qu'on ouvre, c'est du temps, peut-être plus qu'une réunion finalement. On peut passer 2 heures à préparer une discussion. Mais derrière, la qualité de la réflexion est vraiment, vraiment, vraiment top. On a des contributions intéressantes. On aboutit finalement à peut-être une meilleure décision que si on l'avait pris pendant une heure parce que tout le monde est là au même moment, parce que chacun organise son temps. L'idée, c'est que, par exemple, avec un HPFO, je me fais pinguer par quelqu'un en disant « je vais ouvrir une discussion sur ce sujet la semaine prochaine ». Moi, je m'organise cette semaine en disant « jeudi matin, de 10 à 12, je bloque mon temps, j'aime bien travailler le matin, je vais pouvoir contribuer à ta discussion et apporter ma contribution ». Et tout ça, transparent, total et visible par tout le monde. Donc, on n'a pas de réunion, mais on essaie quand même d'avoir des événements où on se voit et on se parle, que ce soit en visio. Donc, on a ce qu'on appelle chez Alan, ce n'est pas des réunions, c'est des one-one. Un one-one, c'est plus une discussion qui peut être un café, mais des fois des sessions de coaching où on va avoir avec quelqu'un qui va nous aider à voir comment on peut grandir chez Alan, comment on peut un peu s'améliorer, les feedbacks qu'on peut avoir. Donc on voit que ce n'est pas la même chose qu'une réunion où on doit prendre une décision. Là, on est plus sur des sessions personnelles. Il peut y avoir des sessions de pair programming, qui sont aussi des sessions où on peut avoir des événements plus synchrones. Et bien sûr, on a quand même pas mal d'événements d'équipe pour justement solidariser un peu tout le monde et se voir assez régulièrement. Mais ce n'est pas des réunions, ce n'est pas des événements de ce type-là. Alors après qu'on a fait une décision, l'idée, c'est qu'on la documente, dans le sens où la GitHub discussion, c'est plutôt des contextes de décision à un instant T, et on utilise un autre outil qui s'appelle Notion, c'est une sorte de gros wiki, on documente la vérité du moment. Dans Notion, il y a toute, finalement, cette vérité. Donc on a, chez Alan, un Notion énorme, avec tout dedans, que ce soit la stratégie, le produit, l'histoire d'Alan. Donc on a les premiers screenshots des CTO qui ont eu l'idée de créer Alan. Et on a aussi tous les leaderships principaux qui permettent de définir quelles sont les valeurs d'Alan sur lesquelles on veut partager. Donc quelqu'un qui arrive, malheureusement l'onboarding est un peu compliqué, mais parce que ça demande de l'investissement, c'est qu'il a toute l'information disponible pour lui. On va l'aider, on va lui donner les pointeurs pour l'aider à trouver l'information, mais tout est là, tout est écrit. Il n'y a pas d'aller voir telle personne pour comprendre comment ça marche. On est clairement dans ce qui est explicite. Alors tout ça, on a une communication, on a un process de décision. Maintenant, comment on devient autonome pour pouvoir travailler dans un environnement asynchrone? Alors les enjeux, tout ça, c'est l'autonomie. Ça passe beaucoup par le fait qu'on doit un peu s'auto-former pour devenir de plus en plus, autonome. Et quand on est autonome aussi, on travaille un peu plus chacun dans son coin, entre guillemets. Et comment avoir une cohérence globale dans toute la boîte, sachant qu'on est plutôt autonome? Comment on gère son temps? Parce que maintenant, quand on est autonome, on est plus libéré sur la notion du temps. Et comment on gère un peu la problématique de chercher par rapport à demander de l'aide quand on a un problème. Alors chez Alan, une des valeurs qu'on essaie de développer, c'est le falling into the pit of success. On a un article de blog qui décrit de façon dans l'engineering comment on fait. C'est comment empêcher les gens de faire les mauvais choix et aider les gens à faire les bons choix. Ce qui permet d'avoir une autonomie et d'avoir une autonomie qui est cohérente. Je vais prendre quelques petits exemples plutôt orientés développement.
on a beaucoup de pré-commit hooks pour pouvoir nous aider à pouvoir pousser du code qui est cohérent sans avoir besoin de quelqu'un nous dise comment faire. Bien sûr, tout ce qui est formatage de code. Et on a aussi poussé très loin des linters pour vérifier les bonnes pratiques de développement sur lesquelles on s'est mis d'accord, qui sont documentées dans Notion. Et ce qui est super intéressant quand on est nouveau, c'est quand on voit qu'un linter fail, eh ben on sait pourquoi, parce qu'on a un lien vers la documentation qui nous explique quelle est la règle en place, comment on fait, pourquoi on l'a créée, et comment je peux résoudre mon problème. Comme aussi la sécurité, là c'est l'affaire de tous, comme on le sait, on a beaucoup de vrais commit hooks qui mettent en place de l'automatisation sur la sécurité, ce qui fait qu'on a finalement une auto-formation sur des notions de sécurité. Alors, on a aussi, les tests unitaires peuvent nous aider à être plus autonomes. En plus de gérer de la non-régression de features ou le développement, on a des tests unitaires qui nous permettent de vérifier le bon format d'un fichier de configuration, ce qui permet d'éviter de casser des choses. On a des tests unitaires qui s'apparentent plus à des respects de design d'architecture, qui permettent de tester que des dépendances sont bien cohérentes entre différents modules. Des fois, c'est fait par des linters, mais des fois, des tests unitaires peuvent nous aider à faire ça. Et moi, j'ai un exemple aussi où on écrit des tests qui permettent de remplacer certains to-do. Alors, l'exemple que j'ai, moi, c'était, on avait un petit to-do en disant, dans cette classe-là, si tu la modifies, n'oublie pas d'aller modifier cette classe à droite, là-bas. Bien sûr, ça, c'est très lâche. En fait, on peut tout casser à tout moment. Et donc, ce qu'on encourage les gens, c'est plutôt à coder, à automatiser des choses et à créer un test qui permet de vérifier, par exemple, que les deux classes ont les mêmes champs, si c'est une contrainte forte. Depuis quelques temps aussi, chez Alan, on met beaucoup l'effort sur la developer experience, qui est très importante. Donc, on a une équipe dédiée maintenant. Et l'exemple, par exemple, dans l'environnement mobile, c'est qu'en plus, chez Alan, on fait du full stack, donc tout le monde fait de tout. Et dans l'environnement mobile, si j'ai un souci, comment je fais pour me débrouiller? Dès qu'on a des messages d'erreur ou autre, on essaie de travailler sur le fait que le message d'erreur indique comment résoudre le problème, quelle commande il faut lancer. Donc, ça demande un peu d'effort, mais finalement, c'est une habitude que tout le monde prend quand on essaie de trouver quand il y a des problèmes. On essaie de proposer des messages d'erreur qui permettent à la personne d'être autonome et de résoudre son problème. Autre point pour améliorer l'autonomie, c'est tout ce qui est automation. Alors, c'est comment automatiser les tâches répétitives et c'est une façon de guider et d'uniformiser les processus. Alors, l'exemple, on a des Slack bots, par exemple, pour tout ce qui est géré la gestion de l'astreinte. On a, par exemple, des bots qui vont nous dire qui est astreinte la semaine prochaine, et les semaines suivantes, ce qui permet de, sans se voir, sans se synchroniser, de savoir donner l'information comment s'organiser pour les semaines qui vont venir. Si on a un process qui est de gérer le passage entre deux shifts d'astreinte, autant avoir un Slack bot qui nous dit qu'est-ce qu'il faut faire exactement, c'est-à-dire documenter ce qui s'est passé, indiquer la load, la charge qu'on a eue pendant ces quelques jours d'astreinte, donner toutes les informations nécessaires à la prochaine personne. Et donc ça, finalement, on peut faire un passage d'astreinte sans jamais faire une visio pour se voir, pour expliquer ce qui s'est passé. Et en plus, tout le monde peut le voir. Là, j'ai mis un petit message de quelqu'un qui est arrivé il y a 6 mois et qui finalement était assez impressionné par le fait qu'il a eu un message privé qui lui est arrivé dans Slack par Beaver, qui est notre petit assistant, qui lui a dit « Attention, il y a eu un post-mortem suite à un incident qui est arrivé. T'as pas tout rempli ce qu'il faut faire quand il y a un post-mortem. » Donc, n'oublie pas de remplir ce qu'il faut pour pouvoir gérer ton post-mortem. Donc ça, la personne, elle a su que le process existait, peut-être qu'elle n'avait pas vu la documentation, mais par le fait qu'on a de l'automatisation, maintenant, elle sait qu'il y a un process et on lui dit ce qu'il faut faire pour suivre le process lorsqu'il y avait un incident. Et récemment, bien sûr, on a aussi des nouveaux assistants qui sont là pour nous gérer de l'autonomie, GitHub Copilot ou ChatGPT. Et moi, j'ai un exemple. Par exemple, c'est dans d'autres communautés chez Alan qui font beaucoup de data, marketing ou autre, qui avaient besoin de faire des requêtes SQL. Et souvent, ils appelaient des ingénieurs. Donc, on avait des ingénieurs un peu d'astreinte qui pouvaient les aider à écrire ces requêtes SQL. En fait, on a focusé en fait, les gens en faisant des trainings, en disant que peut-être que vous pouviez utiliser d'autres outils comme ChatGPT pour vous aider à écrire ces requêtes SQL. Et en fait, avec un peu de training, maintenant, les gens sont autonomes et peuvent écrire des requêtes SQL pour avoir... je veux mes données sur une semaine, groupées par tel truc, et en fait, maintenant, ils deviennent autonomes. Donc, on essaye d'utiliser ces nouveaux outils pour gérer l'autonomie de tout le monde, pour que tout le monde puisse travailler de façon asynchrone. Alors, si on fait un petit résumé de tout ça, donc, les fondations, en tout cas, qu'on a mis en place chez Alan, c'est vraiment la communication publique et écrite. Que le processus de décision, il est asynchrone, il est écrit, et que les équipes sont autonomes. Tout ça, ça permet de pouvoir travailler aujourd'hui et d'avoir une boîte comme Alan qui est passée de
10 à 550 en 6 ans et d'avoir la même façon de travailler. Et que si on doit embaucher, je pense, plus de personnes, je pense que ça ne remettra pas en cause la façon dont on communique et qu'on travaille. Donc c'est ce mode de fonctionnement, c'est l'efficacité à l'échelle. C'est qu'on peut, je pense, grandir encore plus. La flexibilité du travail, moi j'ai vraiment gagné en bien-être au niveau de l'équilibre entre la gestion de la famille, la gestion du travail. Je ne travaille pas le week-end ni le soir, mais si j'ai un rendez-vous pour un enfant, bah, je peux le gérer facilement et sans avoir une contrainte particulière par rapport à mes collègues. Et en plus, on gagne aussi pas mal de responsabilités par l'autonomie qu'on a sur les tâches qu'on a, la façon de travailler, donc on a une sorte de bien-être et de satisfaction personnelle. Par contre, tout ça, bien sûr, c'est très lié à la culture d'entreprise. Chez Alan, c'est depuis le premier jour. Je pense que c'est pour ça que ça marche. Donc, c'est pas forcément évident à mettre en place et à tout changer dans des cultures qui sont un peu différentes. Il y a un contexte qui est là. Moi, j'ai mis 2 ans. Ça fait 2 ans. Je dis pas que le premier jour, j'étais à l'aise. J'ai mis plus de 6 mois, voire 1 an, à être totalement à l'aise dans le mode de fonctionnement. Et aujourd'hui, je m'épanouis. Donc, c'est un investissement. Donc, ça demande un investissement personnel. Il y a des gens qui ne fitent pas avec le modèle, d'autres qui trouvent qu'ils s'épanouissent. Et pour que ça marche aussi, ce que j'ai retrouvé, c'est qu'il faut un engagement personnel de chacun. Ça ne peut pas marcher si les gens ne sont pas engagés. Si j'ouvre une GitHub discussion et que personne ne contribue, ça ne marchera pas. Il faut que les gens aillent contribuer. Si les gens n'expriment pas s'ils ont des problèmes, ça ne marche pas. Si les gens n'expriment pas publiquement ce qu'ils sont en train de faire, les progrès qu'ils sont en train de faire, comment ils travaillent, ça ne marche pas. Donc c'est un engagement personnel. Mais quand on commence à rentrer dans ce mode de fonctionnement, ben, on en voit beaucoup d'avantages. Et derrière aussi, on s'est rendu compte aussi dans la communauté engineering, c'est qu'il faut quand même du lien social. Et donc, il ne faut pas oublier, il faut encourager des initiatives d'événements réguliers pour pouvoir se retrouver, des événements d'équipe ou autres, qui sont encouragés par Alan dans un mode de fonctionnement qui est pourtant asynchrone. Donc voilà, j'ai fini. Mes slides sont dispo sur mon repo GitHub. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur Alan et peut-être nous rejoindre, il y a une page carrière qui existe sur le site. Et je crois que j'ai quelques minutes pour des questions. Bonsoir, merci pour cette présentation. Vous avez dit qu'en fait, les personnes devaient jouer le jeu, mais qui c'est qui contrôle si une personne joue le jeu ou pas? Enfin, si par exemple une personne ne joue pas le jeu, enfin, qui va à un moment donné dire, faire un bilan, dire bah voilà, ça fait 6 mois que tu es dans la boîte, mais tu ne contribues pas, comment ça se passe à ce niveau-là? Bon, en fait, finalement, ça se régule naturellement. Si quelqu'un ne contribue pas ou ne fait pas, ne se met pas dans ce mode de fonctionnement, il ne sera pas bien, il sera pas heureux, ça va se voir en fait. Ça ne marchera pas, en fait. C'est un truc qui se régule finalement par le temps qui passe et par le fait que les gens sont engagés ou pas. Alors bien sûr, j'en ai parlé un petit peu, on a un coach qui est quelqu'un qui nous suit au quotidien. Ce n'est pas un manager, mais c'est quelqu'un qui nous aide à pouvoir s'épanouir chez Alan. Et il peut bien sûr lui-même détecter des soucis, le fait que la personne n'arrive pas à adapter à ce mode de fonctionnement. Et après, souvent chez Alan, je pense qu'on ne peut pas rester dans un mode qui... On ne peut pas rester dans ce mode-là et ne pas aller dans ce mode-là. On ne peut pas être à côté, en fait. Je pense qu'on y va forcément si on adhère à cette situation. Et naturellement, si ça ne marche pas, je pense que la personne s'en va naturellement. Il n'y a pas besoin d'aller faire plus de suivi ou derrière ou autre. Bonjour, merci pour la présentation. Vous avez parlé du fait que vous étiez une petite structure qui a augmenté. Est-ce que ce n'est pas ça qui a permis ce mode de travail? Si on est une société de 400 ou 500 personnes, demain, comment on met ça en place? Bah, je pense que c'est pas évident, ça se fait progressivement, il y a beaucoup de choses qui se mettent en base, qui se mettent à la base, à la culture. Mais je pense que dans mon talk, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être prises sur la culture écrite, la communication écrite. Et je pense que petit à petit, je pense que si on commence à tester par des petites choses, le fait de pouvoir mettre plus d'asynchrone dans son travail, plus de culture écrite, tester des processus de décision asynchrone, ça peut faire transformer les choses, et peut-être plus par la preuve que ça marche que du jour au lendemain dire on change tout. Mais je pense qu'il faut le tester à petite échelle, mais ça peut marcher. Salut et merci pour ta présentation. Moi j'ai une question un peu particulière. Alors, je ne sais pas si c'est ton cas, mais est-ce que pour les gens qui ont un rôle très transverse dans ta boîte, ils ne se font pas flouder complètement par les HP Info dont tu parlais ou les choses comme ça? Est-ce qu'ils ont le temps de gérer toutes les deadlines dont tu parlais?
C'est bien sûr, l'organisation personnelle est hyper importante. Et bien sûr, le risque quand on débute chez Alan, c'est qu'on très vite, bah, si on commence à s'intéresser à tous les sujets, à être pingé partout, bah, on se perd. Et en fait, le but, c'est que les autres sont là, qui sont déjà plus longtemps chez Alan, t'expliquent qu'il faut savoir dire non, trouver ton problème que tu veux résoudre en priorité. Donc, trouver quelles sont tes missions prioritaires, et c'est accepté par les autres si tu dis que non, je ne peux pas répondre à ce truc-là. Mais tu t'exprimes clairement, quoi. Si tu as un ping et quelqu'un te ping et trouve une solution et tu dis clairement je ne peux pas, je n'ai pas le temps de t'aider, bah, ça passe, quoi. Il faut juste être clair et transparent sur sa manière de fonctionner. Et ça demande aussi pas mal d'introspection personnelle pour pouvoir évoluer vers ce mode de fonctionnement où tu ne peux pas tout faire. Tu n'es pas un super-héros, tu peux faire des choses et fais moins de choses, mais fais le mieux. Et globalement, ça marchera. Merci beaucoup. Et je vais tirer au sort la personne.